Hey yo tout le monde, c'est Chamallow, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Sparna tuto sur Syndra, le midlaner complètement pété du moment. On va voir ensemble que c'est un champion qui possède énormément de ressources, il y a beaucoup de plays possibles donc je vais tout expliquer un à un. Comme d'habitude, on va commencer par les runes maîtrisées build, mais avant toute chose, faut d'abord se dire contre qui Syndra est forte en lane et surtout contre qui elle se fait éclater, histoire d'éviter un désastre pendant la lane phase et donc une défaite plus que méritée. Donc, le counter de Syndra, c'est avant tout la mobilité. Évitez de la sortir contre un Yasuo qui peut se balader sur la lane sans se poser trop de questions. Mais Syndra, c'est aussi un champion à burst, donc très clairement, si vous jouez contre une Kayle ou un Zed qui peuvent esquiver votre ultime avec leur ulti respectif, je pense qu'à partir du niveau 6, vous risquez de voir des petites larmes couler sur vos visages et c'est pas ce que vous voulez, n'est-ce pas? En revanche, c'est plutôt grave sympa de jouer Syndra contre un Viktor ou une Orianna car ce sont des champions qui n'ont pas de dash ni de contre pour le burst de Syndra. On va partir sur les runes. Donc, pour les runes, il faut prévoir deux pages. Une contre un midlaner AP et l'autre contre un midlaner AD. Je vais commencer par expliquer celle contre un midlaner AP. Alors évidemment, de la pénétration magique pour les marques, là, je vous apprends rien. Pour les sauts, comme les dégâts en face sont AP, prenez de la vie par niveau. Ensuite, pour les glyphes, prenez 6 glyphes de réduction de délai de récupération par niveau pour ainsi avoir 40% de réduction de délai de récupération au niveau 18. Après ça, vous pouvez prendre 3 glyphes de résistance magique brute puisque vous jouez contre un mid AP, vous avez donc besoin de résistance magique directement au début de la partie. Pour finir, les quintessences de la puissance, classique, propre, frais. Ensuite, si vous jouez contre un midlaner AD, les sauts et les glyphes vont changer. Pour les sauts, vous allez donc prendre de l'armure puisque c'est des dégâts AD en face. Et pour les glyphes, à la place de prendre de la résistance magique brute, prenez de la résistance magique par niveau car vous n'en aurez pas besoin en lane. Après avoir vu ça, on passe aux maîtrises. Là, on se foule pas trop, c'est du 12-18-0. Syndra, c'est un assassin et comme je l'ai dit dans mon tuto sur Jace, assassin rime avec décret. Bon, ça rime pas, ok, mais tous les assassins doivent prendre le décret. Bref, sinon, pour la branche ingéniosité, prenez sauvagerie pour mieux farm et après le reste c'est du grand classique, la bonne vieille recette de grand-mère à l'ancienne. Maintenant on passe au build, il n'est pas universel, il y a plein de façons de build Syndra suivant les situations mais ce build est général, après à vous de voir suivant votre game. Donc premièrement partez sur l'item mana infini Morello en commençant par le chapitre perdu et sa propriété passive complètement broken, autrement dit quand vous faites un niveau, vous récupérez 20% de votre mana max. What the fuck? Bref, à côté de ça, cet item vous donne 100 de puissance et 20% de réduction de délai de récupération, rien que ça. Après avoir fini cet item, faites vos bottes de sorcier, puis si vous jouez contre une team axée AP, partez sur un sceptre abyssal pour les 60 de résistance magique qu'il apporte, mais aussi pour ses 10% de CDR et son halo qui réduit la résistance magique des ennemis proches. Et puis si la team est axée AD, partez sur un Zhonya qui vous donnera de la puissance, de l'armure, 10% de réduction de délai de récupération et sa propriété active vous permettra de flash in tout en restant safe durant les fights. Après avoir fait le sceptre abyssal ou le Zhonya, faites un Riley qui vous donnera 400 PV, 100 de puissance et une propriété passive plutôt sympa encore une fois, puisque en gros vous avez un ralentissement infini si vous arrivez bien à placer votre A sur les ennemis et à enchaîner vos sorts. Après avoir fait ça, j'aime bien faire un bâton du vide, c'est vraiment un très bon item sur la plupart des AP pour le gain de pénétration magique qu'il apporte. Et pour finir, le dernier item, vous pouvez vous lâcher avec un Rabadon pour avoir toujours, toujours plus de puissance. Pour les sorts à monter, sachez que le passif de Syndra permet de débloquer une nouvelle capacité sur un sort maxé. Donc, commencez par monter votre A pour que la durée de vie de vos sphères soit allongée, ça vous permettra de poser plus de sphères sur la map comme je vais l'expliquer juste après. Puis, je préfère monter le Z pour pouvoir transporter plus de sphères, et enfin terminer par montrer votre E, bah parce qu'il vous reste plus que ça. Bon, maintenant on va passer à la pratique en game, je vais commencer par la tenue de lane que vous devez prendre, et après, on passe aux combos possibles avec Syndra, et on termine par les teamfights. Donc,
au niveau 1 ou quand tous les autres sorts sont en CD, je vous conseille d'essayer de poke un maximum avec votre A. Alors tout dépend du midlaner en face, mais je vous conseille d'utiliser votre A sur l'ennemi au moment où il va last hit car il est obligé de rester immobile un court instant. Ensuite, quand vous débloquez vos sorts, vous pouvez faire votre A puis directement reprendre votre boule avec votre Z puis la remettre sur l'ennemi sans oublier de mettre une petite auto-attaque en même temps pour faire proc le décret et lui mettre encore plus de dégâts. Avant le niveau 6, je vous conseille d'utiliser votre E de façon défensive. Ce que je veux dire, c'est de garder le stun pour éviter de mourir sur un gank. Un autre conseil, lorsque vous prenez un kill sur la lane, ne gridez pas pour gratter cette tour. Prenez la lane de creep tout en faisant super attention, puis backez directement, ça sert à rien de rester. Après avoir vu la phase de lane, on va voir les combos un peu plus longuement. Je vais reprendre les idées des combos que j'ai déjà montrés en lane, mais je vais aussi en montrer d'autres. Pour votre A, sachez qu'une fois votre sort niveau 5, vous pouvez stack jusqu'à 3 boules sur la map grâce au passif de Syndra. Pour ceux qui ne le savent pas, l'ulti de Syndra fait des dégâts en fonction du nombre de sphères présentes sur la map. Donc, si après avoir A pour la troisième sphère, vous utilisez instant votre ultime, vous allez maximiser les dégâts de cette ultime et vous allez faire tellement mal. Premièrement, le combo classique pour faire ces dommages lorsque vous n'avez pas votre ultime. Vous allez d'abord utiliser votre A sur la cible et en même temps utiliser votre E pour stun l'ennemi pour avoir un effet de surprise. Après ça, vous pouvez soit utiliser votre Z pour bien rester à distance de l'ennemi tout en faisant proc votre décret s'il vous fait plutôt peur. Sinon, finissez par une auto-attaque qui fera elle aussi proc le décret sans problème. Le deuxième combo est un peu différent. En gros, vous allez prendre une sphère avec votre Z pour le lancer sur l'ennemi et utiliser en même temps votre E, encore une fois, pour avoir un effet de surprise. Après ça, vous allez sans problème réussir à viser votre ennemi qui est stun avec votre A pour faire proc le décret ou alors faire une auto-attaque si votre A est en CD pour faire proc encore une fois ce décret. N'oubliez pas que la puissance de Syndra réside aussi dans sa capacité à faire des sorts tout en pouvant bouger. Vous pouvez vite fait bait des ennemis qui vous chase et les tuer si vous réussissez à garder la distance avec eux tout en mettant des A et des Z derrière vous. En teamfight, le rôle principal de Syndra est de tuer l'AD carry ou le mid laner pour enlever une grosse dose de dégâts de la team adverse. N'hésitez pas à flash in le carry adverse si vous êtes sûr de le tuer, comme ici, pour que ça devienne dès le début un 4v5 que vous devriez gagner sans problème. Voilà mes Sparna, c'est tout pour ce Sparna tuto sur ce champion qui est complètement broken. Dites-moi ce que vous en avez pensé et surtout posez-moi vos questions en commentaire, je n'oublierai pas d'y répondre. Sur ce, je vous dis bonne chance dans la faille de l'invocateur et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss !